Salut à tous et à toutes, c'est Panix, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on est sur la map Relique en CTF, je suis avec mon petit Zozo de la Genius et puis je crois que c'est déjà pas mal comme petite présentation. Alors c'est un petit gameplay qui date quand même depuis pas mal longtemps en ligne. C'est juste que je fais un bon score de 36-1 j'utilise quand même pas mal encore le Titan, je trouve. Bon, je pense que vous allez apprécier quand même le gameplay, c'est assez sympa, assez nerveux. Donc moi, ça fait un moment que je vous ai pas fait de petite vidéo, c'est vrai que je vous avais promis de reprendre un rythme assez constant et d'être présent sur YouTube. Et je compte pas essayer de m'en de rompre ma promesse. Disons surtout que là en fait je suis en examen et du coup bah j'essaie de bosser un maximum. Même si on sait que je ne suis pas le plus grand bosseur au monde, mais j'essaie de bosser donc pour ces examens, être tranquille et passer cette année. Et pour avoir un été tranquillou, fêter et puis me reposer. Donc c'est vrai que ces deux prochains mois, ça va être assez compliqué pour moi. Disons déjà que j'ai quelques projets avec TF eSport, j'espère qu'ils vont se faire. En plus, mes examens. Et en plus encore, en juillet, je vais partir. D'abord une semaine, je vais partir la première semaine de juillet à Berlin, donc j'essaierai de vous faire une vidéo en rentrant ou de vous en faire une vidéo préparée, planning, etc. Après je pars encore en Bourg-en-Bresse en France et je vais voir justement toute la Genius. On va se rencontrer, on va aller chez Zora justement. On va tout simplement on va tous se rencontrer avec Ricky, il y a aussi Lux, et puis Circa, il y aura. Bah non, finalement il n'y aura pas. je veux dire le petit GFX Wayne qui devait venir, malheureusement il peut pas venir. Il va nous manquer le petit Alex. Bon, j'espère au moins que ce sera une bonne semaine sympa, et histoire de tous se rencontrer, et puis aussi de jouer ensemble. Donc on pense peut-être faire des streams, mais en tout cas jouer tous ensemble en mode LAN un peu. Mais vraiment l'objectif principal c'est juste de se rencontrer tous ensemble avant de faire une LAN. D'ailleurs il y aura peut-être une LAN plus tard, mais ça ce sont des organisations qui font ça, qui ont parlé sur Twitter, donc j'espère que ça va se faire. On verra tout ça après l'été. Sinon moi je voulais vous faire un petit peu nouvelle série, en fait ce sera le premier épisode simplement, qui est justement pratique parce que là j'ai beaucoup moins de temps à faire préparer des vidéos spéciales et puis essayer de vous tenir au courant surtout de tout ce qui se passe. Parce que c'est vrai que je vous parle de débats de règles, etc. Mais du coup j'aimerais bien faire des vidéos sur l'actualité TF eSport et sur toute l'actualité de la Genius surtout. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas vu encore, il y a eu des nouvelles règles de TF eSport. Donc bon, comme je vous l'ai dit, ce gameplay est très vieux et comme ça en ligne, de toute façon ça change rien, mais remarquez juste que les titans peuvent prendre des flags. Si je ne me trompe pas. Ça a été changé dans des mises à jour récentes. Sinon surtout, donc il y a eu des règles TF eSport qui ont été postées cette semaine. La spécificité de ces règles, c'est qu'en fait, TF eSport a réussi à convaincre ESL d'utiliser les règles TF eSport. Du coup, ils ont les mêmes règles que nous, donc des Européens jouent avec les règles françaises. Et j'espère que ça va permettre d'amener plusieurs Européens. On a un tournoi justement ce soir. Pour moi c'est le dimanche, je sais pas si j'aurai le temps de vous poster la vidéo aujourd'hui. On a un tournoi, il a été complet très rapidement avec plusieurs équipes européennes qui ont l'air intéressantes, histoire de changer un peu des équipes françaises qu'on voit toujours toujours les mêmes équipes et voilà quoi, tout simplement. Donc les règles.
Sont surtout adaptés par rapport aux paramètres qui ont été changés. Donc en CTF, il y a 7 secondes de délai de respawn, comme je vous en avais parlé en débat sur les règles. Du coup, j'ai pu effectivement parler un petit peu de tout ce qui se passait, enfin de vos avis. C'est vrai que les 7 secondes, comme je vous l'avais expliqué, ça... J'ai un doute maintenant que ce soit 7 secondes. Oui, c'est 7 secondes. C'est-à-dire que quand on coupe la killcam, et bah dans ce cas, il reste 5 secondes, même 4 secondes, je crois, de respawn, et je trouve que c'est déjà quand même mieux. Je trouve ça mieux foutu. Et en domination, il y en a 4 secondes. Il y a la map expansion qui a été rajoutée. Et en CTF, c'est relique qui a été enlevé. C'est dommage, personnellement, je trouvais le relique justement très intéressante. En CTF, il y a un moyen de... C'était pas de la strat toute simple, mais qui était intéressante à faire. Après, c'est vrai que le run flag était rapide. Mais voilà, on fait avec. Je crois pas que de map ait été rajoutée en CTF. Moi, personnellement, c'est riposte plutôt qui me dérange en CTF. Je la trouve pas très intéressante niveau strat. Je la trouve un peu no-brain, mais enfin bon. C'est mon avis personnel. Sinon, surtout, je voulais vous parler de l'actualité du roster. Je ne sais pas comment j'appellerai déjà le nom de la série que je vais faire. Hein. Pour cette vidéo, je vais pas mettre le nom, mais pour les prochaines, vous le saurez sûrement. Ça sera sûrement des vlogs, il y aura le vlog dedans, ou actualité, je sais pas, news. On verra tout ça, et vous raterez pas la vidéo de toute façon si vous la voyez. Donc l'actualité du roster, tout simplement. C'est qu'on a fait pas mal de tournois ces derniers temps. Alors il y a eu... En fait, je vous ai jamais raconté tous les tournois qu'on a fait et tous les tournois qu'on a gagné. Donc on va faire un petit résumé. C'est-à-dire qu'au tout début, je vous ai sorti une vidéo sur une finale de TF... Un tournoi TF eSport qui était organisé par Under. Donc celle-là, on avait gagné. Et puis après, on avait refait un tournoi TF eSport. Mais ça, c'était pas avec l'équipe. C'était juste... Il y avait moi... Je me souviens qu'il y avait Zoran, on était avec Light et Storm. Et je ne sais plus qui était le troisième Dinus qui était avec nous. Je pense que c'était Luxus. Mais j'ai un petit doute. Enfin bref. On est arrivé aussi top 1 de cette ODC. Ensuite on a fait plusieurs G4G. Je pense qu'en tout on a fait 4 ou 5 G4G. On est à chaque fois arrivé premier sans perdre de map en G4G. On a fait aussi un tournoi MLG, on a tenté un tournoi américain donc vraiment américain, c'était pas un tournoi qui était en Europe ou quoi que ce soit. Et on a perdu très très peu, c'était très chaud. Je crois que c'était en quart ou en demi-finale. Non, c'était en quart je pense, c'était en quart de finale. De toute façon on avait eu un free win pour le premier tour, donc voilà. Ouais, et puis comme je vous ai expliqué, cet MLG c'était un peu n'importe quoi. En plus le tournoi sur les game battles, j'ai expliqué qu'il y avait pas mal d'arbitrage et tout. On est en train d'essayer de faire un ladder justement. Là je crois qu'on est dans les 6 premiers de ce ladder. Ça nous permet de faire un tournoi final à la fin de ce ladder. Et en fait c'est juste il y a tellement d'arbitrage à la con, et puis ils acceptent n'importe quoi en Game Battles, donc on a un peu laissé tomber l'idée. Mais surtout, il y a eu des tournois ESL avec des règles TF eSport, mais c'était seulement pour les Français pendant un moment. Enfin, pas vraiment seulement pour les Français, mais c'était spécial pour les Français parce que les autres connaissaient pas, etc. C'était pas bien. Pas beaucoup de pubs, mais donc on a perdu les deux fois tout simplement. Je pense qu'il y avait un manque d'entraînement, manque certaines choses. Ça nous a permis de nous réveiller, mais en fait, pour expliquer aussi, ces tournois sont très mal foutus à mon avis aussi. Je pense celle de la Genius et de pas mal de gens de la communauté. C'est que ça s'arrête en fait, c'est sur un match, oui, c'est ça, c'est sur un BO1 en fait. Donc vous jouez une carte, vous gagnez, vous passez le second tour. Alors comme déjà c'est des tournois qui sont pas avec énormément de personnes, je trouve que c'est super court. Et en plus c'est pas du tout vraiment représentatif.
Et en plus, les maps en plus sont données. Ça fait beaucoup en plus. Les maps sont données à l'avance. Donc il y a des gens qui les stratent à fond et puis qui se préparent pour le tournoi CSL à fond. Mais bon, on peut pas leur en vouloir, hein, ils ont raison. Et du coup, on a perdu deux fois contre les Divinity. Je crois que les deux fois c'était en. Je sais un peu, c'était. Chacune fois on avait passé en free win et du coup on avait joué contre eux le deuxième tour. Hein. En quart de finale je pense et peut-être même c'était en demi-finale qu'on n'avait même pas voulu jouer je me suis un peu franchement c'est en tout cas c'est vrai que ces deux tournois ESL on les a perdus et puis maintenant on va essayer de gagner ce tournoi ESL qui est un peu plus sérieux et mieux foutu j'espère que ça ira. En tout cas si vous voulez pas sur enfin je pense que la vidéo sera trop tard, mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, comme je vous le dis, pour suivre les streams et tout, c'est vraiment important. Et franchement, je vais bientôt avoir un nouveau PC aussi, ce qui va me permettre de faire des vidéos de façon de meilleure qualité, mais peut-être plus souvent. Et j'espère aussi surtout des streams de meilleure qualité, parce que si j'ai des streams de pas super qualité, c'est surtout une question de PC. Les vidéos pourront être rendues plus rapidement, puis je verrai peut-être augmenter la qualité, mais je pense que ça devrait... la qualité déjà que je fais elle est pas mal grâce à Adobe. Enfin, ouais, je vais faire quelques tests. Je pense que c'est tout quoi. Je vais faire un bon résumé de toutes les news, etc. Je suis désolé si je suis un peu crevé. C'est vrai que justement, comme je vous l'ai dit, les examens, faut que je travaille et tout. Je me suis pas couché, enfin, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit comme j'ai. Je suis réveillé tôt ce matin pour... Enfin bref, je vais pas raconter ma vie. Donc moi j'espère que vous aurez apprécié ce petit gameplay. Et puis je vous dis tout simplement à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'essaie de vous en refaire une pour la semaine prochaine. Comme j'aurai un creux entre les examens oraux et écrits. Et puis je vous dis tout simplement... je vous souhaite tout simplement une bonne soirée. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.